Alors, figurez-vous que les éditions Autrement m'ont contacté alors qu'ils venaient de publier un atlas un peu déconnant, c'était la première fois de leur histoire, qui s'appelait l'Atlas de la France incroyable, qui a très bien marché, très drôle d'ailleurs, très bien écrit. Et ils se sont dit, tant qu'à faire, ça a marché une fois, on va peut-être en faire un deuxième. Et ils ont eu cette idée absolument lumineuse, éclatante, chatoyante, qui était de m'appeler et de me faire des propositions d'un certain nombre de thèmes. Et j'ai tout de suite flashé sur la France qui gagne, parce que c'est tout moi. Hein, c'est la France, effectivement, de l'entreprise, de la compétition, de la productivité. Voilà, donc c'était pour moi, j'ai choisi ce thème-là. L'idée, c'était quand même de se moquer de ce discours qu'on trouve beaucoup dans les news magazines sur la France première dans telle catégorie, ou alors au contraire le French bashing, la France nulle, on fout rien, on est des feignasses. Donc j'ai essayé de prendre un peu toujours le contre-pied de ces clichés-là. C'est-à-dire je me fais un plaisir de rappeler qu'on a un meilleur taux de productivité du travail que les Allemands. Ça, quand il y a vraiment des chiffres, bien sûr, je les signale. Il y a des domaines sur lesquels on est, sur un plan strictement économique, où on est bien meilleur que d'autres pays réputés plus productifs que nous. Il y a des secteurs aussi un peu rigolos. Par exemple, on est les premiers au monde dans le domaine de la prise électrique. Voilà. je l'ignorais. Je pense que le public l'ignorait, mais c'est bon de le savoir. Et puis, il y a toutes les choses que j'ai pris où j'ai pris carrément le contre-pied. C'est-à-dire, par exemple, j'estime qu'on a la meilleure école du monde, mais selon un sondage, une étude, bien sûr, tout est toujours étayé par une étude ou un sondage. Selon un sondage, notre école n'est pas la meilleure parce qu'elle forme les mathématiciens les plus performants ou les physiciens les plus compétitifs, mais parce qu'on se fait plus de copains chez nous à l'école française. Donc voilà, ça c'est les performances qui m'intéressent en priorité. Il y en a d'autres, par exemple on est les premiers exportateurs de footballeurs professionnels. Alors on ne gagne pas des matchs chez nous, mais on permet aux pays étrangers d'en gagner en exportant nos footballeurs. Voilà, ça aussi c'est une vraie info. Alors, on est les premiers exportateurs de footballeurs de haut niveau, sans que pour autant ça influe, ça n'ait d'impact sur ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Donc, c'est merveilleux. Écoutez, moi, je suis très content de savoir qu'on a en Europe le plus grand nombre de psychiatres par habitant. C'est la preuve qu'on est un pays bien soigné. Donc voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, bien sûr, on est très performant sur l'électricité nucléaire, sur un certain nombre de secteurs d'économie. Mais enfin, là-dessus, tout le monde le sait. Hein, on ne va pas revenir de manière sempiternelle sur nos performances. Puis, c'est vrai que moi, c'est un bouquin un peu anti-productiviste, il faut le dire. Donc, l'esprit, c'est quand même d'aller contre l'idéologie du PIB, vous savez, qui essaye de déterminer la prospérité d'un pays ou son bonheur en fonction d'un certain nombre d'indices économiques, alors qu'on sait très bien que c'est obsolète aujourd'hui. Le PIB, ça ne veut plus rien dire. Donc voilà, je vais contre cet esprit-là. C'est une façon aussi, il faut le dire, de déconner. C'est quand même un bouquin rigolo. C'est ça sa première fonction, parce que des fois, les journalistes se précipitent dessus et ils ne voient que ce qu'ils ont l'habitude de voir, c'est-à-dire dans ce genre de truc. Ouais, alors, où est-ce qu'on est bon? Où est-ce qu'on est les meilleurs? Et je dis, oh là, stop! On est bon, on a par exemple la plus grosse consommation de hashish par adolescent. Vous voyez, les ados les plus gros consommateurs. Alors, est-ce que c'est une performance? Ça reste une performance, c'est comme ça, il faut l'admettre. Alors il y a quelques problèmes effectivement d'actualité, puisque on a travaillé là-dessus à peu près au mois d'entre mai et juillet, et entre-temps il s'est passé des choses. C'est vrai que par exemple sur l'accueil des réfugiés, où on était les plus performants, l'Allemagne nous a grillé la politesse, hein, comme vous êtes sûrement au courant, ces derniers mois. Donc il y a un certain nombre de chiffres comme ça qui ont un peu bougé, mais globalement là, tout reste... toutes les infos restent solides. Alors, il y a un certain nombre de domaines économiques où, en général, c'est lié au plaisir. C'est ça que j'aime dans cette sélection. Par exemple, on est les plus gros fabricants de voiliers de plaisance. Voilà, ça, c'est un truc qu'on sait très, très bien faire, qu'on exporte dans le monde entier. On est, bien sûr, sur tout ce qui concerne la gastronomie, le pinard. Alors, on s'est fait voler la vedette par les Italiens cette année. Voilà, un chiffre qui a changé. Jusqu'à présent, on était bien sûr
les premiers exportateurs de très bons pinards. Sur les restaurants, on n'est pas les plus étoilés en termes de très haut de gamme. C'est-à-dire que les Japonais ont plus de double et de triple étoilés que nous, mais on reste quand même premier sur le nombre d'étoilés au Michelin. Voilà, il y a des valeurs sûres comme ça qui restent solides quoi qu'il arrive. Bon, on est aussi très bien classé au patrimoine de l'UNESCO, même si on n'est pas parmi les premiers, mais bon, voilà, ça c'est du grand classique. Et puis, il y a l'euro-million. C'est nous qui avons le plus de gains à l'euro-million. C'est important quand même. C'est comme ça qu'on fait marcher un pays, qu'on fait rentrer de l'argent, des devises.